Alors salut tout le monde, c'est Nuage Cube. J'ai voulu savoir si un téléporteur a une coordonnée lointaine, très lointaine, de là où on génère la map, si le monde est différent. Alors, je me suis posé la question, je me suis téléporté à la coordonnée 26 millions, 80, enfin si j'ai mis 60, mais je suis à 80, et Z 26 millions, et vous allez voir que le monde est magnifique si vraiment on part de loin et on commence à s'aventurer dans le jeu. Sincèrement, je n'ai pas vraiment vu là-bas tout au fond, il y a une coulée de lave, de la lave qui sort de la colline. Sincèrement, je n'ai pas vraiment. C'est très très rare que je puisse voir ça dans le jeu directement. Le lac de lave, ça, on peut le voir, mais ça reste encore quand même très très rare aussi. Donc la lave plus une grotte avec un terrain qui est luxuriant, qui a beaucoup de fleurs, avec un paquet de gravier que vous pouvez s'amuser avec, et puis aussi du charbon, une grotte qui est magnifique, hein, vous pouvez vous construire une tour, enfin ce que vous voulez. Deuxième point, c'est un terrain qui est absolument sublime, je vous assure. Il existe dans cette zone-là beaucoup beaucoup de biomes différents. Hop, F3, vous avez le biome du désert, vous avez le biome Extreme Hills. Je précise, Extreme Hills Edge, je précise. Ce biome-là, je l'avais jamais vu, je pense. Ça me dit rien en tout cas. Vous avez le biome plaine, donc la plaine, c'est tout ça, hein, je pense. Donc la rivière, vous avez le désert. Encore une fois la rivière, et là-bas on va aller là-bas, vous allez voir, il y a Desert Hills. Alors j'ai jamais vraiment cherché la traduction de Hills, mais je pense que Hills et Extreme Hills, ça veut sûrement dire qu'un biome est en hauteur, qu'un biome est grand, qu'un biome prend de l'ampleur en hauteur. En tout cas, je pense que c'est ça. Secondo dans cette map, après on va voir le reste plus tard, hein, en dessous. Pardon, il a aussi le biome de la jungle, qui est mon biome préféré. Mais je pense aussi que le biome du sable va être mon second biome préféré. Là-bas aussi, là, le biome swamp, le biome marécageux, qui est beau aussi. C'est là où on a l'habitude de crafter de la soupe en prenant, en ramassant des champignons gris, des champignons rouges. Là-bas, ce biome-là, il est aussi beau. Il y a un village PNJ dans le désert, dans l'album du désert. On peut se dire, tiens, un village PNJ, mais il est vide. Non, en fait, il n'est pas vide puisqu'il est rempli de. Il a beaucoup d'habitants. Et justement, grâce au PNJ, vous pouvez. Attendez, hop. Vous pouvez acheter des choses. Par exemple, ce PNJ-là, ce villageois, parce qu'un PNJ, c'est un villageois, dans le jeu. Normalement, dans un jeu vidéo, un PNJ, c'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est un bonhomme qui ne joue pas. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez interagir. Comme lui. C'est un player non joueur. C'est quelqu'un qui ne joue pas. Donc, vous devez lui donner 18 morceaux de blé pour avoir un émeraude. Par contre, je vais voir si ça marche. Alors, c'est 8, vous allez voir. Je vais essayer de faire une petite expérience. 9. Je vais voir si ça marche. Non, ça marche pas. Il faut 18 pour obtenir un émeraude. Voilà. Et lui, par exemple, lui c'est 20. Voilà. Donc l'émeraude, à part lui, voilà, lui, tiens. Lui, vous devez lui donner 10 morceaux de gravier plus un émeraude pour avoir 4 silex. Je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas, du silex, quand on creuse du gravier, on en a. Je pense qu'une chance sur 10, on en a une. En tout cas, il m'arrive d'en avoir plein. Et je sais pas si ça peut lui donner ça. Tiens. On va voir un petit test. Ramasse. Non? Apparemment, les PNJ n'aiment pas l'argent. Enfin bon, alors secondo, tertio, j'ai découvert un bug. Je précise sans effets spéciaux. Vous allez voir. Alors j'ai voulu coller, j'ai voulu mettre en relation deux pistons chewing-gum.
Vous allez voir, c'est assez étonnant. Je le répète, c'est réalisé sans effets spéciaux. Vous allez voir. Avec la glowstone, mais je pense que ça fera rien pareil. Voilà. Alors, l'affichage ne correspond pas à ce qu'il devait être. On peut passer à travers. Ah non, même pas. Ah bah si, on peut. Ah non. En fait, on peut pas passer à travers, mais la relation entre le piston, enfin le piston, là, le manche de bois qu'on a l'habitude de voir ici. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire là? Oh là là! C'est quoi ce bug? Ah mais ça marche sans les sans que l'on colle des pistons alors. Il est horrible ce bug. Il est horrible. Voilà. Il est horrible. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien ici parce que c'est un parc qui est vraiment immense. Quadrio. En tout cas, quatrièmement, je sais pas si c'est du Quadrio. Mais Optifan est sorti 1.5.2. Et je vous conseille de télécharger la 1.5.2.gr qui est dans le billet de Mojang quand il a eu une nouvelle mise à jour sur mojang.com de la pré-release et du snapshot. Télécharger la pré-release 1.5.2 pour la mettre dans l'ancien launcher, donc dans votre dossier .bin, afin d'installer Optifine proprement. Parce que j'ai essayé, ça ne marche pas sur le nouveau launcher. Voilà. Si vous voulez bien sûr jouer avec Optifine. Optifine marche, il lit, je l'ai ici. Voilà. En tout cas, à très très bientôt, vive Minecraft, et puis regardez un petit peu ça. C'est pas beau ça? Eh? Si, c'est beau, hein. Allez, salut tout le monde.